Je suis la population de la commune de Sangalkam. Donc, je suis vraiment la population. Je suis invité toute la commune de Sangalkam. Je suis un homme, je suis un homme, je suis la jeunesse. Je suis venu voir le premier ministre. Andak mom wax ko ñu la mo suñu jafé jafé nax tay inondation yi tay mën na population yi fi commune Sangalkam jafé jafé yi bari na ñu ko dund ay at yu bari bari kon tay rek am nañu yaakar ak le nouveau gouvernement di ñaanal son président de la république fu mu tek tankam ñu dal suñu xel am ko am nañu yaakar mo jëne tous les moyens pour que vraiment inshallah cette semaine je démarre suba mais da fay continuer inshallah ci commune bi continuer ci village kon ñu ngi lancer un appel solennel à l'endroit de la population de Sangalkam que demain inshallah que la jeunesse surtout les femmes les personnes ressources, nous en la main dans la main, accueillent le Premier ministre, voir que c'est une alliance, voir que c'est un problème. Du folklore là, du folklore. C'est ça la nuit. Quand on connaît, donc il y a le super, il y a le sarato. Nous, les moyens, nous avons, donc mettre à la disposition de la population. Hier, on a tenu une réunion avec l'ensemble de la population, avec l'ensemble des acteurs. Parce que l'inondation, c'est la population. Nous avons incarné, comment dire, une approche participative. Quand dans la main, nous nous voyons vraiment, demain, à partir de 9h, nous sommes autour de la commune de Sangalkam. Gor dié ak ndaw ñaka le premier ministre bokku suñu jafé waxa jafé département bi bo waxé Sangalkam wax nga Bambilor wax nga Tuane Paul parce que inondation yi dafa affecter Sangalkam dafa affecter Bambilor dafa affecter Tuane Paul parce que bo waxé inondation dafa nek lo xamné dafa global kon tay le bassin versant de Kouroun La Grosse ndox bi su tawé duggé Kouroun da fay wacc ci dalo ñag dem La Grosse tay nak alhamdullah le dëkk de Sangalkam envisagé que il faut deux bassins pour ndox yone dem La Grosse ñu mën ko jël ko récupérer ko bayiko ci isra mu mën ko utiliser à des fins yo xamanteni le maraîchage da nek lo xamanteni dana mëna ñew ci isra bi donc tay lolu yag nak proposer parce qu'on a fait des études et li montré moy que tay buñu amé bassin yo nga xamanteni mo nek ci isra bi ci dag bi on ko utiliser population bay ci nak xam ngeen ne sangal ko vocation agricole ben aussi muy zone yi nga xamanteni waruñ fa dëkk les zones non identifiantes tay dafa jot état parce qu'il y a des petites fosses yo xamanteni ñun suñ compétence mais avec l'appui du gouverneur avec l'appui du préfet avec l'appui de l'État, je veux dire, c'est des zones. Même les candidats, ils disent que vraiment, faire des mesures, des arrêtés, qu'il faut décrire. Il faut dire que l'ESFP, il faut le faire, c'est possible. Donc, nous sommes lancés, parce que l'inondation est taillée, nous sommes sans l'État. Mais nous sommes vraiment avec ce nouveau régime, ce Yakar, nous sommes en train de lancer un appel solennel à toute la jeunesse. Je veux inviter toute la jeunesse de Sangalkam, une jeunesse très engagée, une jeunesse très dynamique, une jeunesse vraiment très ouverte. Donc, c'est le moment demain. Nous sommes sur nos rues, nous sommes sur nos communes. Merci beaucoup.